Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis un bon moment. Je sais que vous êtes impatients quand je parle de Peaches, vous avez, je crois que vous adorez ce sujet. Donc du coup aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo sur Peaches parce que là ça devient très très grave. Et du coup bah je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Insta les gars. C'est là où je vous tiens au courant de tout en temps réel, c'est là où je vous poste 5 à 6 posts par jour sur les dramas. Je vous tiens au courant vraiment de tous les potins, de tout ce qui se passe en temps réel. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, c'est important de venir me suivre, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Donc je vous laisse aller me rejoindre sur Instagram. Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo. Let's go. Pour ceux qui n'ont pas suivi toutes ces histoires qui est Peaches, allez voir mes 2 vidéos que j'ai fait sur le sujet. Donc c'est Charlie D'Amelio est en danger et Peaches vs Charlie. En gros j'ai expliqué toute l'histoire qu'il y avait entre Peaches et Charlie. Et si vous connaissez pas le personnage, Peaches c'est un peu une fille qui est atteinte psychologiquement, qui est un peu folle sur les bords et qui clairement s'attaquait à des tiktokeuses qui rentraient chez elle par effraction, qui sentaient leurs sous-vêtements. Bref, elle est vraiment très très atteinte. Et aujourd'hui on va parler du fait qu'elle s'en prend cette fois-ci à sa petite fille de 3 ans. Donc voilà. Là, je pense que prenez votre thé, ça va être assez savoureux je pense pour vous. Prenez votre thé confortablement et c'est parti. Pour ceux qui sont pas au courant, en fait Peaches a une fille, le père on ne sait pas c'est qui, mais en tout cas elle a une fille. Donc du coup sa fille elle a actuellement 3 ans de ce que j'ai compris. On savait que sa fille avait été retirée de sa garde, enfin elle pouvait plus garder sa fille, mais on savait pas vraiment pourquoi. Il n'y a pas eu trop d'indices là dessus, enfin pas d'infos tout simplement. On savait que Peaches avait un enfant mais on savait pas où était sa fille, c'était le père qui avait la garde si jamais elle s'était fait retirer et que la fille était en famille d'accueil, enfin je sais pas. Elle a tout simplement récupérer sa fille. Donc ça y est, elle a re-eu la garde. Au départ on savait pas si c'était la garde entière, enfin la garde, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Elle a posté une photo sur Instagram avec sa fille pour dire qu'elle avait récupéré sa fille et elle a commencé à mettre des stories en disant j'ai eu la garde exclusive de ma fille de 2 ans, merci à tout le monde de nous avoir supporté, etc. Enfin bref, elle remercier les gens de leur avoir apporté du soutien et que c'est grâce à eux qu'elle a récupéré sa fille. En gros c'est ce qu'elle disait. Donc du coup on comprend que Peaches a récupéré sa petite fille. Enfin il y a des gens qui ont commencé à flipper et se dire what the fuck, pourquoi elle récupère sa gosse, parce qu'elle est quand même très bizarre cette fille. Enfin si vous avez suivi comme je vous disais l'histoire avec Charlie, enfin on sait qu'elle est pas très saine psychologiquement, donc les gens commençaient à s'inquiéter. Donc de là au départ il y avait rien de bien bizarre, elle a posté des petites vidéos avec sa fille, elle faisait des lives, elle la mettait dans le caddie, elle faisait des bisous, enfin bref il y avait rien de bizarre en gros vraiment, enfin une mère et sa fille quoi au début. I love you. Il y a Diego Martyr qui a réagi aussi à ça. Donc c'est un TikToker qui est assez connu, je crois qu'il a 1 million d'abonnés. Et c'est le l'ex de Peaches en gros. Genre ils étaient sortis ensemble de ce que j'ai entendu. Après je suis pas sûr à 200% parce qu'il y avait des rumeurs de couple et des rumeurs de c'était son meilleur ami, je sais pas quoi. Donc on sait pas trop. Donc lui a réagi en voyant que Peaches avait eu la garde officielle de sa fille. Et il a tout simplement fait un TikTok où quelqu'un lui a dit que du coup Peaches avait récupéré sa fille et on le voit genre il part en courant comme ça, genre bah ça lui fait peur je pense de savoir ça. Et du coup bah il n'avait pas tort d'avoir cette réaction puisqu'au final c'est parti clairement en n'importe quoi juste quelques jours après qu'elle ait récupéré sa fille. Donc elle a commencé à poster des, c'était pas des trucs, enfin si c'était des trucs quand même très graves mais moins graves que ce qui va se passer après, mais déjà dites-vous que ça c'est le les trucs les moins graves qu'elle ait fait. Elle a commencé à poster des stories, bah en fait clairement on voyait que c'était une mauvaise mère et qu'elle s'occupait mal de son enfant. Vous allez voir genre c'est clairement un truc de mauvaise mère quoi, tu fais passer à ton gosse. Oh my god, Cora ne respire plus quand je l'ai noyée. Elle est en train de vomir actuellement. Après l'ami, j'ai laissé Cora toute seule dans sa chambre. Alors que sa fille a 3 ans. Genre tu laisses pas une fille de 3 ans toute seule dans une chambre. Ensuite elle mettait des stories en mode je peux pas attendre d'avoir mon bébé toute seule ce soir. Et genre elle mettait un emoji diable avec un couteau. Enfin what the fuck. Ensuite aussi genre vu qu'elle a récupéré sa fille bah quelques mois après, quelques même un an après je crois qu'il lui avait retiré, elle a mis une story où elle mettait Cora est devenue vraiment sexy depuis tout ce temps. Genre comment tu peux sexualiser une enfant de 3 ans et dire que ta fille est devenue sexy à 3 ans. Donc déjà ça commençait à déplaire aux gens quoi. Et les gens étaient en mode elle est chelou elle. Genre déjà le fait que tu dises que tu noies ta fille, que tu la laisses seule dans sa chambre, que ta fille est devenue sexy alors qu'elle a 3 ans, genre meuf what the fuck genre. Et clairement ça a fait poser des questions encore plus aux gens sur le fait que Peaches soit apte à vraiment s'occuper de son enfant. Ensuite elle avait fait des lives et il y avait un live qui m'avait un peu gêné, genre c'était un peu genre bizarre, genre en gros elle était là, elle faisait genre des questions réponses et les gens lui posaient des questions sur elle, sur sa fille etc. Et en gros à un moment il y a quelqu'un qui lui a dit tu Cora, quand je vous ai dit c'est le prénom de sa fille Cora, avec un emoji genre avec des cœurs dans les yeux en mode tu Cora c'est trop cool, genre, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait elle réagit à cette question en faisant des clins d'œil genre en mode t'inquiète je vais le faire, genre je vous laisse voir les images.
voilà, on apprend qu'elle s'occupe super bien de son enfant, et puis quand on lui dit de tuer sa fille, elle a l'air d'être fière d'avoir cette question, et elle a l'air de vouloir le faire. Ensuite, c'est parti en cacahuète, en quelque chose de sexualisant pour une enfant de 3 ans qui a vraiment dérangé tout le monde et qui était vraiment glauque. Enfin, même moi, quand je voyais ça, je trouvais ça hyper glauque. Genre, j'étais en mode, comment tu peux sexualiser une enfant à cet âge-là? Enfin, c'est complètement débile. Donc, elle a commencé à mettre « Cora va bientôt avoir une... » en bas. Ensuite, elle a mis « Fait drôle. Cora a perdu sa virginité à seulement 4 mois. Quelle petite... » Donc là, on apprend aussi que sa fille, d'après elle, aurait perdu sa virginité à 4 mois. Donc une enfant qui perd sa virginité à 4 mois. Donc bref, c'est assez flippant, assez glauque. Et ensuite, un live qui a énormément fait parler sur le sujet de Peaches et sa fille, c'est en gros elle a fait un live où elle disait qu'elle ne voulait pas tuer sa fille parce qu'en fait elle veut la faire souffrir et elle veut qu'elle ait une vie horrible en gros, et elle dit donc c'est pour ça que je veux pas tuer ma fille parce que je veux qu'elle ait une vie horrible. Donc je vous laisse avec les images. Make a scream. Oh man, I just love it. I know this game. I know that game. And the thing is, I actually plan on killing my baby. I actually plan on killing my baby, but I want her to suffer first. And to be honest, the only thing that's really stopped me from killing Cora is the fact that I want to give my daughter the worst life possible. So vous vous doutez bien que là, enfin, ça part vraiment loin. Donc la meuf dit qu'elle veut pas tuer sa gosse parce qu'elle veut que sa fille ait une vie nulle et horrible. Ensuite, elle a vu que du coup, il y avait une grosse polémique autour de ce live, parce que comme je vous ai dit, c'est un des lives qui a fait le plus polémique sur le sujet. Et donc, il y a beaucoup de gens qui commençaient à l'insulter, à l'afficher sur Twitter, à dire que c'était un démon. Limite que cette fille, c'était un démon. Ouais, que c'était démoniaque en fait ce qu'elle faisait à sa fille. Et du coup, bah tout le monde commençait à vraiment se poser des questions, à vraiment l'insulter et vraiment genre, bah, prendre des mesures, on va dire. Et donc là, elle a commencé à réagir au truc en disant je peux faire ce que je veux avec ce que j'ai créé. Genre elle a commencé à mettre des trucs comme ça dans sa story, mais elle s'est pas arrêtée. Donc face aux critiques, elle s'est pas arrêtée. Elle a continué à mettre des trucs encore sur sa fille, des trucs sexualisants, des trucs horribles. Bref, elle a continué, ça l'a pas dérangée. Et donc elle a mis, je vous parle plus tard, je vais mettre des dans le de ma fille, merci au juge. Et ensuite elle a mis, moi et mon ami Derek et Cora, on vient d'avoir un plan à 3. Donc encore une fois, super, on apprend que c'est elle-même qui fait des trucs sexuels à sa fille maintenant. Donc c'est encore plus grave que ce qu'on pensait, quoi. Elle est vraiment atteinte au niveau du cerveau, au niveau cérébral, j'ai envie de dire, je pense. Ensuite, il y avait un autre live qui a énormément fait parler. Et dans ce live, en gros, elle dit que sa fille, donc de 3 ans, est sûrement enceinte et qu'elle a des doutes d'être enceinte et qu'elle a sûrement un bébé dans son ventre, et du coup elle dit qu'elle est ravie parce qu'elle va bientôt être grand-mère, etc. Enfin, je vous laisse voir ça encore une fois. Okay, so I might be a grandmother soon because my daughter thinks that she's pregnant and I'm just so excited because I never thought I would be a grandmother. So I might be a grandmother soon. So congratulations to me, I'm so excited. Donc du coup, comme vous pouvez douter, ça a également fait parler énormément. Bah elle s'est pas arrêtée là, elle a encore continué bien sûr, parce que on n'arrête pas ce genre de personnes, je pense. Et elle a continué donc en faisant quoi? En faisant un compte spam, donc un compte secondaire si vous voulez, en bref, pour haïr sa fille et pour mettre des trucs horribles que sur sa fille. Donc le compte s'appelait Don't Love Cora, donc en gros n'aimez pas Cora. Et donc elle mettait des photos de sa fille où elle mettait je vais aller en live pour se foutre de la gueule en gros de ma création. Enfin, et elle mettait genre des trucs pareils sur ce compte là où elle mettait genre je vais rentrer dans ma fille, genre des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre elle a fait ce compte juste pour dénigrer sa fille et dire des trucs horribles sur elle. Enfin, faut vraiment encore une fois avoir un problème psychologique. Son compte s'est fait supprimer par Instagram quelques jours après. Ils ont enfin pris des mesures. Pour une fois, ils suppriment pas le compte principal, mais au moins ils ont supprimé ce compte secondaire. Donc il s'est fait supprimer quelques jours après, je crois. Et ensuite, quand elle a vu qu'elle se faisait cancel par tout Twitter, par tout Instagram, et que là elle partait trop loin à faire des trucs comme ça sur une enfant, parce que les gens encore pouvaient cautionner, et encore même pas cautionner, mais il y avait des gens qui se disaient vas-y, elle est folle, mais fin, genre qu'elle passe ça sur Charlie, Malou, etc., tout ce qu'elle leur a fait. Mais là, de faire ça à une enfant de 3 ans, ça a vraiment dérangé beaucoup de monde, et c'est parti loin, et vraiment, elle commençait à se faire cancel, elle perdait plein d'abonnés, et plein de gens sur Instagram, sur Twitter et tout, commençaient vraiment à se dire que cette fille devrait se faire interner, et il y a même des gens apparemment qui avaient appelé la police pour parler du cas. Enfin bon bref, c'est parti assez loin. Donc elle a commencé à mettre des stories où elle disait imagine penser que je vais vraiment heurter mon bébé, s'il vous plaît, je l'aime tellement. Ensuite elle a mis, restez en dehors de mon business personnel, je peux faire ce que je veux avec mon enfant, gérez vous de votre business en gros. Ensuite elle a mis, beaucoup de personnes ne comprennent pas la blague, je ne tuerai pas Cora,
Elle est incroyable. La dernière personne que je veux tuer, c'est Cora, parce que je l'aime tellement. Et donc apparemment, elle dit qu'elle fait tout ça pour rigoler. Donc voilà, comme vous avez pu voir dans les stories, apparemment, c'était une blague. Et elle faisait ça pour faire rire les gens. Mais moi, quoi qu'il en soit, je trouve que déjà, pour faire ça, faut vraiment avoir un problème psychologique. Enfin, en soi, blaguer sur le fait de sexualiser son enfant, blaguer sur le fait de tuer sa fille de 3 ans, je pense que, enfin, faut avoir un petit problème, je pense, pour faire ce genre de choses. Après, c'est mon avis, bien sûr. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que c'est très grave en fait, genre vraiment de sexualiser un enfant de 3 ans et dire des choses comme ça, même si c'est de l'humour. Genre personne fait ça en fait quand t'es sain d'esprit, je sais pas, personne fait ça. Donc voilà les gars, c'est tout ce qui s'est passé par rapport à Peaches et sa fille Cora de 3 ans. J'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai pu vous expliquer et que vous avez bien compris tout ce qui s'est passé quoi. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous aime très très fort. Bye.